Salut, allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à ma dernière donc, vidéo en live qui était sur la présentation du dernier pack Continental GT sur Assetto Corsa Competition. Et je me suis aperçu en fait que le circuit de Bathurst, qui s'appelle Mount Panorama, je me suis trompé dans le live en fait, tout le monde l'appelle Bathurst parce qu'il se trouve à Bathurst en Australie, mais le vrai nom du circuit c'est Mount Panorama. Donc ce que j'ai voulu vous faire c'est un petit comparatif. Je vais pas vous faire l'historique du circuit parce que c'est pas forcément mon credo, je sais pas que ça m'intéresse pas, mais bon, moi c'est plutôt la technique là en l'occurrence que je vais essayer d'évoquer. Je vais arrêter avec mes mains, sinon je vais encore me faire réprimander dans les commentaires. Ça va se passer en plusieurs étapes et je vais vous présenter déjà un petit jeu. Tout con, c'est ça, vous prenez une feuille, un papier, il va y avoir six extraits très courts du circuit. Une portion identique pour chaque simulation que je vais vous évoquer dans très peu de temps. Donc je vous donne des numéros et vous mettez le nom de la simu que je vais vous dire juste après. Et vous me dites à la fin dans les commentaires si vous avez eu bon. De toute façon, je vous donnerai la réponse forcément dans la suite de la vidéo. Le but, c'est juste de voir si vous connaissez le jeu. Donc il y a en premier, dans la liste des jeux, des simulations, il y aura Assetto Corsa. Assetto Corsa Competition, il y aura Race Room, il y aura P-Cars 2, Air Factor 2, et il y aura enfin GT Sport. Donc voilà, ça c'est, je les ai évoqués au hasard, donc je vais vous les faire défiler un par un. Puis comme ça, vous noterez et vous me direz dans les commentaires si vous avez eu bon, vous me mettrez directement ce que vous avez vu. Voilà, c'est déjà un premier élément de comparaison. On va essayer de retrouver un peu les jeux en vue intérieure ou capot. Je sais plus, ça va être intérieur. Non, c'est vue capot, vue ras du sol. J'ai essayé de faire en tout cas avec des sons sur le même circuit, sur la même voiture. J'ai pris une Audi GT3, donc comme ça au moins. On est plus ou moins sur la même base, bien évidemment il y a différents modèles, mais bon, j'ai pris selon les simulations ce qui avait disponible. Donc ça c'est une première étape. Deuxième étape, on va faire une comparaison des simus, donc sur un tour complet avec une vue réelle intérieure. Donc pareil, comparez pas trop les sons, puisque les sons sont des vues extérieures, et là la vue réelle c'est la vue interne d'un pilote. Bon, je crois que c'est une vue d'un pilote d'il y a 4 ans. Donc voilà, la topographie du circuit reste la même, mais en fait, il y a peut-être des choses qui auront changé dans le décor. Et vous allez voir, dans les grosses lignes, c'est exactement la même chose. Ensuite, dernière étape, on va passer, c'est sur une petite course de 2 tours, si je ne me trompe pas, avec le online en version nuit. Alors, tout de suite, je préfère vous le dire, version nuit, il n'y aura pas tous les circuits, parce que bien évidemment, dans la liste que je vous ai évoquée, il y aura un absent, c'est Restroom. Vous allez me dire, bien sûr, Race Room, il y a la version fin de journée. Mais moi, j'ai voulu tester la version nuit avec les pleins feux, vraiment pour donner l'ambiance et ressenti de la chose. Et je combine avec ça une petite course contre l'IA. Donc, vous allez voir, c'est intéressant de voir ça. Encore une fois, ce que je veux, c'est vous montrer, alors pas vous dire et vous ressortir quel jeu est le meilleur. C'est pas le but. C'est juste de comparer. Parce qu'en fait, Bathurst, depuis que le pack Continental GT est sorti, ben, ça fait, on en voit sur toutes les sessions. Alors c'est un circuit qui peut faire peur, ça je peux comprendre parce que Bathurst c'est ça aussi. Just have a listen to this in real time. If car, so the driver on the far side from this secondary impact. Two cars losing it almost in synchronization at the top of the mountain. The Mark V8 and the Superbahn Audi. And then the agonizing wait. Oh, that's a massive impact. Wow. Massive. Invitational class, and that's Will Brown behind the wheel. And that one. Oh, and it's gone. Extraordinary driver, the R31. Oh, and it's gone. The Bentley's gone. In with the Class B Porsche. Everybody keeping us away. Here's a look. Oh no, down the inside, one of the Phoenix racing cars, the 16, and that is a monster crash. A manager, oh, and very high speed approach, 260 kilometers an hour into turn two. Now watch this, this will ignite anytime soon. There's a lot of fuel on the road there. Red the hot. Whole rear of the car has been ripped apart, and once it starts, it turns into a fireball very quickly.
and very dangerous, feeding straight back to the car, enveloping car 17. At this stage, Bernard is still in there. Voilà, donc vous voyez, c'est un circuit qui peut effrayer. Donc il y a beaucoup d'endurance sur ce circuit, les circuits de V8, les courses de compétition de V8. Donc voilà, c'est un circuit assez atypique. Il doit y avoir 140, 147, je sais plus exactement. Je me suis un petit peu documenté là-dessus. Documenté, putain le nom. renseigné, notamment sur Wikipédia, il doit y avoir 147 mètres de dénivelé sur la partie la plus basse et la plus haute du circuit. Donc c'est vraiment atypique. Il y a des virages, à l'aveugle. Il y a des murs de partout, ouais, il faut alterner entre rapidité et sécurité. Donc c'est vraiment un circuit intéressant. Moi personnellement, j'ai toujours aimé. Je sais pas pourquoi, je me sens assez à l'aise. Voilà. Je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve pour le résumé de la vidéo. Juste pour vous préciser, les vidéos qui vont suivre sont dans le même ordre que ce qui vient de vous être présenté. Donc vous pouvez d'ores et déjà vérifier si ce que vous avez noté pour les simulations est bon.
Bon, ben voilà, on vient de faire le tour de la comparaison de ce circuit de Mount Panorama. Alors vous voyez, là, moi, je parle en termes de technique. Maintenant, en termes de ressenti, ça s'équivaut quand même plus ou moins. Alors, on dit certains circuits sont laser scannés. J'en ai parlé d'ailleurs avec certains sur, soit sur Discord ou sur les forums. Moi, personnellement, le laser scan, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je connais, je veux dire, je connais pas le circuit. C'est-à-dire que je vais pas voir la différence, que ce soit une montée plus importante ou plus petite. En général, ça s'équivaut. Moi, personnellement, c'est pas ce qui m'attire le plus. S'il faut payer 15 euros en plus pour un circuit laser scanné, c'est pas ce qui me tente vraiment. Alors oui, on va dire on ressent plus les bosses, mais au définitif, au réel, tout le monde n'a pas le même matériel pour ressentir les choses. Combien dans la population de Simracers ont un direct drive, donc matériel qui permet quand même de ressentir le maximum de FFB. Je sais pas. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi personnellement, non. Sur les sessions que j'ai faites là, sur ces diverses simulations, j'ai pris du plaisir, j'ai ressenti les mêmes, quasiment les mêmes sensations. Une chose qui m'a étonné, c'est par exemple la version d'Assetto Corsa Competition. J'ai trouvé la voiture. Alors, j'ai pas précisé, je le précise maintenant. Toutes tous les roulages que j'ai fait, c'était en setup de base. J'ai rien modifié. Donc c'était vraiment la bonne franquette. On y va, on roule. Il n'y a aucun setup de fait. Donc j'ai trouvé, pour revenir sur Assetto Corsa Competition, d'ailleurs à la base lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo, j'ai trouvé le comportement de la voiture très 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 safe. Je vais pas dire sur des rails, mais je me suis quasiment jamais, très rarement mis en danger. J'ai trouvé ça très très sain. Alors encore une fois, est-ce que c'est normal? J'aimerais bien avoir le retour de... Alors, ce serait difficile de la communauté d'avoir un retour sur le circuit, encore moins en GT3, mais je sais pas, par exemple, de Romain Monti qui maintenant a fait sa chaîne YouTube consacrée à son métier, enfin la simulation auto, notamment en GT3, d'avoir son ressenti sur la conduite d'une GT3 sur ce type de circuit, savoir si c'est assez facile, parce que très honnêtement, par rapport à, je vais prendre une autre simu, donc R Factor 2, j'ai trouvé la conduite plus difficile. La voiture est beaucoup plus légère, entre guillemets, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, on sent qu'on a plus d'adrénaline et plus de difficultés à tenir la voiture. On a du mal à rouler plein pot, et très honnêtement, c'est une chose que j'ai pas vraiment ressentie sur ACC. Alors, est-ce que ACC a une physique réaliste? Encore une fois, Romain, si tu passes par là, toi qui as essayé le jeu, tu peux peut-être nous dire si vraiment tu trouves que c'est le top du top, ou au contraire, est-ce que tu pourrais par exemple essayer R Factor 2 et nous dire si c'est quelque chose de plus proche de la réalité, parce que R Factor 2, j'ai essayé le mode officiel du studio, donc voilà, c'était aussi un élément de comparaison, donc j'ai pas voulu trop comparer les FFB dans cette vidéo, c'était pas forcément le but, mais dans tous les cas, toutes les simus sont intéressantes, elles proposent des choses un petit peu différentes, que ce soit au niveau de la texture de la route, des éléments de décor, du cycle jour-nuit, quoi d'autre, des sensations dans la voiture, des bruitages, ah, vous allez voir. Hein. Donc moi, je ne vous demande pas forcément votre top, mais bon, vous pouvez me le donner, c'est toujours bon à prendre. C'est vrai que la version d'ACC, elle est très bien faite. R Factor 2, pour moi, il est peut-être en dessous. Assetto Corsa n'a pas à rougir. Alors bien sûr, j'ai pris les modes Sol et Shader Patch, on va pas se le cacher, parce qu'il a quand même plus de 4 ans, jeu, 5 ans, je sais plus quand il est en 2014. Ouais, donc il commence vraiment à dater. Donc il faut aller ajouter un petit élément pour se remettre un petit peu au goût du jour. Pécars 2, il est d'origine, donc le plus beau, je pense que c'est encore Pécars 2, à aujourd'hui. On parle pas de la physique, je parle bien évidemment des graphismes. GT Sport de nuit, je l'ai trouvé un petit peu dégueulasse. Hein, la texture de la route, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Restroom, bon compromis en termes de physique et de son. FFB, on n'a pas forcément à en parler, il est bon également. Et R Factor 2, ouais, je sais pas. Graphisme en dessous, pour moi. La conduite, bonne. Et le son, c'est correct. Voilà, donc je ne vous donne pas un top 1, un top 5. Je vous laisse vous faire vous votre avis. Encore une fois, je ne sais pas si tout le monde a testé toutes les simus. Enfin voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire assez court. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, liker, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à une prochaine. Salut!